السلام عليكم أزول فلاون بونجور. Ils sont bien seuls, les résistants égyptiens. Ils continuent de se battre contre la révolution, plutôt contre, pardon, contre la contre-révolution qui les a privés d'un avenir qui s'annonçait prometteur. Ils sont bien seuls. Aujourd'hui, j'ai cherché en vain des articles de la presse algérienne d'expression française qui traite de la journée d'aujourd'hui en Égypte, ce 3 juillet 2014, anniversaire du coup d'État contre Morsi, pas le plus mince entrefilet, pas la moindre ligne, un autre blackout, un autre grand blanc. Le plus curieux est que ce silence sur un événement pourtant majeur est unanime dans la presse algérienne d'expression française, jusqu'à susciter des questions. Mais enfin, les Égyptiens sont bien seuls. En Occident aussi, la plupart des journaux ont négligé l'événement, ils l'ont éclipsé, occulté, passé à la trappe. Mais ce complot du silence n'est pas isolé du reste. Le peuple égyptien est dans une logique d'éteignoir, d'étouffoir. Partout, dans une unanimité orchestrée dans ses moindres détails, toutes les puissances qui comptent ont décidé de soutenir Sisi le putschiste. Même des puissances qui, en temps normal, sont en concurrence, voire même en conflit larvé, ont décidé de se ranger toutes du côté de l'oppresseur, de l'illégitime, contre la démocratie. Et dire que ces mêmes puissances n'en finissaient pas de nous rebâcher leurs grands principes de démocratie, de droit de l'homme, de légitimité par les seules urnes. Quelle grossière arnaque et quel mépris pour notre intelligence. Quelle hypocrisie que celle de cet Occident qui galvanise nos aspirations à la démocratie au moment même où il soutient ceux qui nous oppriment et nous tuent. Nous avons oublié trop vite peut-être que ces soi-disant démocraties nous avaient colonisés, pressurés, réduits à l'état de serre sur nos propres terres. Nous avions trop facilement fait table rase du traitement indigne de l'humain qui nous avait réservé des décennies durant. Nous avons passé en perte et profit les dommages irréparables qui nous ont causés, à la dévastation de notre identité, de ce chardon qu'ils ont semé dans nos esprits, de l'ignorance crasse dans laquelle ils nous ont plongés. Nous avions pensé trop vite que nous pouvions les singer, copier leur modèle de société, en faire des amis et des protecteurs, comme si des oiseaux blessés pouvaient se réfugier sous l'aile du rapace cruel. En fait, ce sont ces mêmes anciens colonisateurs, ces mêmes vampires qui se sont sustentés de notre sang, qui continuent de nous dominer, de décider de notre sort, de ce qui doivent nous diriger et quelle voie nous devons emprunter. La seule différence avec la colonisation brutale et directe que leurs prédécesseurs nous faisaient subir est que maintenant, ils agissent sur nous, de loin, un peu comme par le pied d'une télécommande. Plus besoin d'envoyer leurs colons trimés sur nos terres et nous faire suer le burnous. Plus besoin d'envoyer leurs soldats se faire tuer pour nous soumettre. Ils ont trouvé mieux. Ils prennent les plus vils parmi nous,
en font leurs choses, des valets zélés, et ils les mettent à notre tête dans des parodies d'élections. Puis, ils font en sorte que nos armées soient à leur dévotion, à leur ordre, le doigt sur la couture du pantalon, en goinfrant leurs généraux, en permettant à leurs familles de s'installer chez eux, d'envoyer leurs gosses dans leurs universités, en leur facilitant le blanchiment des fortunes qu'ils nous ont subtilisées, en taisant les crimes de masse qu'ils ont commis contre nous. C'est exactement comme cela que ça se passe. C'est pour cela qu'après avoir été soumis à une sanglante répression, les Égyptiens sont victimes d'un complot du silence, que leurs voix sont étouffées, que les excès qui sont commis contre eux, contre leurs leaders sont tus. Mais s'il n'y avait que cela, nos peuples ne sont pas seulement victimes de ce néocolonialisme qui nous contrôle en désignant ces hommes à la tête de nos pays, comme cela s'est passé et se passe encore en Algérie et en Égypte. Ils sont aussi, malheureusement, la proie de leurs propres frères, si tant est que nous pouvons leur consentir ce qualificatif du seul fait que nous avons la même religion. Des pays comme la Saoudie, moi c'est comme ça que je l'appelle, et ses satellites déploient des montagnes de subversion pour nous dresser les uns contre les autres, pour soutenir nos despotes, les financer aux besoins, comme c'est le cas en Égypte, et même se servir de leur ulama grassement rétribué pour jeter l'anathème sur les hommes libres et dignes qui ont osé braver l'injustice. Nous en sommes là aujourd'hui. Les frères musulmans égyptiens, rejoints par des partis politiques et des personnalités intègres, ont lancé un appel pour une journée de la colère, pour aujourd'hui, 3 juillet, afin de commémorer le premier anniversaire du coup d'État contre le président Morsi. Les manifestants partiront de 30 mosquées du Caire, 30 grandes mosquées du Caire, après la prière de l'Asr, c'est-à-dire dans quelques instants. Et ils convergeront vers la place Tahrir. Mais le régime égyptien a pris des dispositions très élaborées, très dures, qui annoncent une répression qui sera probablement sans limite. Des forces considérables, armées jusqu'aux dents, ont été placées tout le long de l'itinéraire. Il faut craindre le pire. Mais il faut craindre aussi que la participation ne soit très faible. Le mouvement des frères musulmans a été laminé, interdit, décapité. Ses leaders condamnés à mort, ses militants torturés par milliers. En tous les cas, la journée d'aujourd'hui est perçue par tous les observateurs comme un test pour mesurer l'état de résistance de la société civile, à quel point elle est divisée et ce que sera la détermination des forces de répression. Aujourd'hui, le Huffington Post Québec, journée de la colère pour les islamistes en Égypte, un an après la destitution de Morsi. 2. La Liberté. Je précise que c'est un journal suisse. Égypte, journée de la colère pour les islamistes. Et enfin, Le Point. Journée de la colère en Égypte. Avec nous aujourd'hui, Badreddine Guerfa, cadre d'IFIS, et l'Arbi Zouaimiya, analyste politique qui vit aux États-Unis, entre les États-Unis et le Canada. Si Badreddine Guerfa. Badreddine Guerfa. Oui, salam alaykoum. Wa alaykoum salam. Ahlan bik, si Badreddine. Ramadan Karim. Allah yibarak fik, Allah yibarak. Ramadan Mubarak lil jami'. Amin, rabbal alamin. Alors, si Badreddine, aujourd'hui, c'est le jour anniversaire du coup d'État. Et on voit que, comme je l'ai signalé dans mon introduction, la presse d'expression algérienne d'expression française, pas une ligne. Ou du moins, moi, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché pendant une heure. En France, pareil, à peine quelques titres. Et c'est des entrefilés. Personne n'en parle, comme si de rien ne s'était passé, comme il n'y avait rien à commémorer. Votre sentiment ? C'est Badreddine. Alors, nous avons perdu, c'est Badreddine. Ah, il est là, c'est Badreddine, vous êtes là avec nous? Oui, je suis là, je vous écoute. Voilà, alors votre sentiment sur ce qui se passe,
sur ce complot du silence, sur la répression qui se prépare. Voilà. Ce complot du silence, malheureusement, c'est un complot mondial. Ce qui est formidable, c'est que la femme égyptienne et la jeunesse égyptienne démontrent encore une fois que c'est des grands militants, qu'ils ne se lassent pas de militer d'une façon pacifique, mais en même temps, ils mettent à nu cette démocratie occidentale, ces slogans de liberté et de justice, que je dirais la justice à deux vitesses, la liberté à deux vitesses, la démocratie à deux vitesses. Bon, maintenant, c'est vraiment scandaleux ce qui s'est passé en Égypte. La presse mondiale n'en parle presque pas. Bien sûr, la presse en Algérie, c'est kif-kif, hein, c'est la même chose. Ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé en 92. Tout le monde est content. Ces forces, elles sont contentes pour que les peuples ne soient pas libres. C'est vraiment malheureux, mais c'est comme ça, c'est ce qui se passe. Mais. C'est Badreddine Gherva, la communication par Skype est très mauvaise. Je vais demander au technicien de vous reprendre par téléphone. En attendant, nous allons prendre Monsieur Larbi Zouaimia, qui est avec nous depuis les USA, je crois. C'est Larbi, C'est merci ça. d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir permis de donner un avis, hein. Oui, merci. Alors, votre avis justement sur cette question? Sur quelle question? Sur la La question de la presse algérienne ou sur la question de Morsi? question de ce 3, de cet anniversaire, de l'occultation de l'événement par la presse algérienne, de ce qui va se passer. Ok. Moi, c'est-à-dire. Je peux pas faire. Je suis pas un partisan des frères musulmans, mais l'épithète, le qualificatif que je peux donner à ce qui s'est passé en Égypte le 3 juillet 2013, c'est un coup d'État. Je ne peux pas faire aussi une analogie par rapport à ce qui s'est passé en Algérie en 1992, parce que pour moi, il y avait une mutinerie politique. Et ce n'était pas le cas en Égypte. Il y avait des élections démocratiques, il y avait un président élu. Attendez, Monsieur Zouaimia, je m'excuse de vous interrompre. Qu'est-ce que vous entendez par mutinerie politique? C'est-à-dire, moi, je ne peux pas faire une analogie, ou chercher des similitudes entre ce qui s'est passé en 1992 en Algérie et ce qui s'est passé en Égypte en 2013. Ça veut dire selon vous, En selon vous. 1992, attendez, en 1992, Oui. c'est un topo algérien avec ses caractéristiques politiques, sécuritaires, tout. Oui. Mais en Égypte, nous étions, il y a une année, dans une phase où les extrêmes sont éclatés. Les esprits apaisés, il y a une ouverture démocratique mondiale. Je peux dire que le président Morsi a été élu démocratiquement. Ça, c'est mon point de vue. Non, Et non, les mais résultats Monsieur sont. Zahumé, excusez-moi, ce n'est pas le sujet de notre jour, mais je veux juste clarifier quelque chose. Est-ce que vous voulez dire que ce qui s'est passé en 92 en Algérie n'est pas un coup d'État? Je ne peux pas le qualifier de coup d'État. Il s'agit d'un arrêt de processus électoral qui a été fait. Oui. Il y avait des gens qui n'étaient pas au pouvoir, qui n'avaient rien dans le port d'Alger, qui étaient pour l'arrêt du processus électoral, vu certaines circonstances que j'appelle, moi, mutinerie politique. Mais Cette mutinerie politique est politique. dans ce Attendez. cas en Égypte aussi, ce n'est pas un coup d'État, c'est un arrêt du processus politique. Appelons-le comme on veut, ce n'est pas un coup d'État. Les pro-Sissi le disent aussi, ce n'est pas un coup d'État, c'est un C'est-à-dire, réajustement politique. Monsieur Benchnouf, moi, c'est-à-dire, moi, c'est un avis que je donne. Oui. Moi, 1992, c'est 20 ans en arrière par rapport à 2013. D'accord. Plus, d'accord. C'est un avis que je donne. J'étais parmi ceux qui ont été pour l'arrêt du processus électoral. Je l'assume. Est-ce que par la suite, ce processus électoral est allé vers le port d'Alger? C'est une autre paire de manches. L'assassinat de Bouzias en était un révélateur. Il n'y avait pas cette ouverture médiatique, il n'y avait rien du tout. Les Algériens affrontaient une expérience nouvelle. Il y avait des erreurs de part et d'autre. Il y avait aussi un courant, on ne peut pas faire aussi bon marché du courant Monsieur démocratique Zouaimi, qui était excusez-moi, déclenché. c'est trop facile de dire ça. Hein. Il y avait des erreurs de part et d'autre. Je crois que c'est trop facile. En fait,
Je m'excuse de vous interrompre, ce n'est pas dans mes habitudes d'interrompre mes invités, mais écoutez, en 92, il y a eu, appelez-le comme vous voulez, interruption du processus électoral. Pour moi, c'est un coup d'État. Les gens étaient privés d'une victoire que leur a donnée le peuple algérien. Ils ont été poussés à la violence de façon outrancière, cruelle. On allait chez eux torturer leurs enfants devant eux pour les pousser à partir au maquis. On les a mis dans des camps du Sud pour les pousser à monter au maquis. Et maintenant, on vient de dire que c'est une erreur de part et d'autre. J'avoue que Moi, je c'est ne un. parle pas de ce qui s'est passé après. Moi, je vous parle de la. Ça, c'est un avis à moi. Oui, mais bien Moi, entendu, c'est votre avis. D'accord. Il y a des assassinats qui ont été commis contre des gens qui étaient innocents. N'y a pas de Pourquoi doute. Il n'y a pas de doute. Tarjaout a été assassiné? Ah, Pourquoi mais qui l'a Sidiane a été assassiné? assassiné? Qui l'a Moi, ce que j'ai assassiné? dit. Allô? La question reste de savoir qui a assassiné Tarjaout, qui a assassiné les autres intellectuels, qui Justement, est derrière. actuellement, Voilà. pardon, actuellement nous sommes dans une phase où tout doit être discuté carte sur table pour arriver à un consensus. Mais ceux qui ont appelé à l'interruption du processus électoral nous traitent de kituquistes. Ils nous disent les adeptes du kituki. Ils ne veulent pas que nous posions la question qui a tué Non, je qui. respecte votre avis. Non, je respecte votre avis. Vous avez un avis tout à fait, c'est-à-dire respectable. Je n'ai pas à juger, je n'ai pas à faire un jugement sur votre opinion. Certainement, c'est en discutant, c'est-à-dire il y a une thèse, il y a une antithèse, il y aura une synthèse. Certainement, peut-être nous n'avons pas des informations, de bonnes informations, mais c'est en discutant. Bien. Et ce que Mais je pour dis, en ce que revenir je à dis par l'Égypte, rapport à l'Égypte, M. attendez. Zouaïmia, à l'évidence, nous ne serons pas d'accord sur ça, et ce n'est pas l'objet de notre émission. Mais sur l'Égypte, qu'est-ce que vous en pensez? Sur l'Égypte de façon claire. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y avait un président qui a été élu. Les conditions dans lesquelles l'élection a été déroulée, elles répondaient à des normes internationales. C'est tout ce que je peux dire. Donc, pour moi, concernant Morsi, c'était un président qui a été élu démocratiquement, parce que aussi les frères musulmans n'ont pas la même. C'est une grande école aussi en pratique démocratique aussi par rapport au fils que nous avions. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant que les États-Unis, où nous donnons des leçons aux Américains, les Américains aussi ne sont pas incapables de réflexes démocratiques. Et je vais vous donner un exemple. J'aimerais bien vous donner cet exemple-là. Je vous en prie. Il y a le 1er mai, il y a le sénateur du Vermont. Oui. Le sénateur du Vermont, c'est un sénateur démocrate. Et c'est un gars respectable. Il n'est ni musulman, ni rien du tout. C'est lui qui a initié une action demandant à Obama de ne pas livrer 10 Apache, hélicoptères Apache, à Sisi. C'est lui qui a initié la pétition. Demandant à l'administration américaine de ne pas donner les 650 millions de dollars dans le cadre. Maintenant, ce ne sont pas les Américains aussi qui sont le premier joueur dans la crise égyptienne, c'est l'Arabie Saoudite. Oui. Le tandem américano-saoudien est puissant. Mais l'Arabie saoudite est un agent des USA et cette initiative dont vous nous parlez du sénateur, c'est une initiative individuelle. Il n'empêche que les États-Unis, en tant que nation, en tant qu'État, soutiennent massivement la Non, pas dictature massivement, Sisi. je rectifie. Je vous dis une autre. Il y a des associations, il y a des gens qui travaillent pour les droits de l'homme. Il faut aller sur Internet pour lire ce que disent ces associations. Il y a une défense des droits de l'homme. Allô? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Il y a maintenant le poids du capital par rapport au réflexe démocratique, bien sûr, il y a un écart. Mais les Saoudiens ne sont pas un agent. Les Saoudiens sont devenus un acteur de la politique américaine. Les Saoudiens disposent de 200 milliards de dollars en bande de trésors. C'est une puissance financière et qui décide. Elle négocie sa part dans l'hégémonie politique du Moyen-Orient. Elle négocie sa part. C'est ce Nous qu'on appelle allons l'influence. revenir à Sidi Badreddine Guerfa. Sidi Badreddine Guerfa, alors, ce n'est pas la peine de répondre à M. Zouaimi pour ce qui est du coup d'État de 92 qu'il considère comme une mutinerie politique, puisque le sujet d'aujourd'hui est l'Égypte. Donc nous allons rester dans le sujet de l'Égypte, Sidi Badreddine.
suis désolé de faire un petit tour. Je ne comprends pas. Moi, un coup d'État, c'est un coup d'État. C'est tout. En Algérie, en 92, contre Hamas en Palestine, contre Morsi en Égypte, c'est partout pareil dans le monde arabe. Il y a des critères mesurables pour tout le monde. En Algérie, en 92, il y a eu des élections libres qui ont été faites par le gouvernement algérien et le fils a été élu par le peuple algérien. Il y a eu un coup d'État clair, net et précis. Ce qui s'est passé maintenant, après, le fils l'a dit plusieurs fois, je le dis solennellement, le fils appelle à une commission, soit nationale, interne ou internationale, pour voir ce qui s'est passé en Algérie, que tous les crimes qui sont passés, Jaoud ou n'importe qui. C'est Badreddine. Oui, maintenant en Égypte. En Égypte. Ce qui se passe en Égypte. Voilà. Ce qui se passe en Égypte aussi, pour l'Arabie Saoudite. Moi, je le redis, c'est un sous-traitant des États-Unis. Il est là. Il est le gendarme de l'Occident dans le Golfe. C'est clair, net et précis. Maintenant, c'est vrai qu'il a beaucoup d'argent. Il a énormément d'argent. Et c'est tout. Il fait le sale boulot pour l'Amérique, comme il a fait le sale boulot contre Taliban, contre l'Amérique, les États-Unis ont envahi l'Afghanistan. C'est clair, c'est bien prédit. Maintenant, il y a un axe qui est en train de naître entre l'Égypte et Alger. Ce Sisi-là, ce maréchal, a bien demandé aux Algériens de créer une chambre commune contre le terrorisme. Maintenant, le terrorisme, l'étendard du terrorisme, on le connaît très bien en Algérie. C'est pour mieux museler le peuple algérien, le peuple égyptien. Mais, alhamdoulilah, le peuple, la femme égyptienne, la jeunesse algérienne égyptienne sont en train de militer. Ils sont en train de mourir, d'aller en prison, de tout perdre pour que vive l'Égypte libre telle qu'on l'a vue, malheureusement, en très peu de temps, du temps de Morsi. Moi, je défie quiconque qui vienne me dire qu'en Égypte, du temps de Morsi, on a fermé des télévisions ou des journaux, etc., où on met en prison des journalistes. C'est ce qui se passe maintenant en Égypte. C'est Badreddine. Oui. Les manifestants vont s'ébranler après la prière de l'Asr dans quelques instants en Égypte, au Caire. Seulement au Caire, hein, mais les manifestations auront lieu partout. Mais on s'ébranle de 30 grandes mosquées kairotes vers la place Tahrir. Mais l'armée s'est préparée, elle a bouché un peu partout ce qu'elle a pu. Mais ils sont armés jusqu'aux dents, ils se préparent, nous dit-on, à réagir très violemment. Que pensez-vous qu'il puisse se passer maintenant? Moi, écoute, Jamin, moi je défie le gouvernement égyptien, je défie le gouvernement émirati, de Saoudite, de l'Arabie Saoudite, pour qu'ils laissent les Égyptiens manifester. On verra ce que sera la place Tahrir. Maintenant, c'est vrai. C'est un pouvoir dictatorial, c'est un pouvoir à la solde des États-Unis et d'Israël. Maintenant, il va tout boucler, c'est vrai, mais sallallahu alayhi wa sallam, je pense que les Égyptiens vont avoir assez de génie, assez de courage pour pouvoir manifester d'une manière ou d'une autre. Le problème n'est pas d'arriver à Tahrir ou à Rab' al-Adawiya. Le problème, ils ont prouvé qu'ils sont là depuis une année, qu'ils manifestent d'une façon pacifique et d'une façon magnifique. Ils sont prêts à tous les sacrifices. Et finalement, je pense que la parole reviendra en définitive au peuple égyptien qui sont en train de donner des leçons de bravoure et de fermeté, de militantisme pacifique à laisser les Occidentaux rêveurs, croyez-moi, Jamel. Restez avec nous, c'est Badreddine. Notre émission arrive bientôt à sa fin. C'est l'Arbi Zouaimia, un dernier mot. Moi, j'ai donné un avis, M. Jemeldine. Oui, on ne conteste pas, mais on n'est pas d'accord, on le dit. Maintenant que... Ouais. Allô. Votre avis, vous l'avez dit, nous aussi, nous avons dit notre avis, c'est tout. Ok, moi, je ne suis pas le général Taufer. Moi, je suis l'Arbi Zouaimia. Maintenant, le monsieur qui est en... Allô. Oui, on vous écoute.
Monsieur, j'ai bien aimé la partie là où le monsieur, votre invité, a parlé d'une commission. C'est très bien, ça, c'est bien, c'est pour clarifier la situation, c'est bien, mais c'est pas de juger, Mais d'anticiper. le fils l'a toujours, c'est l'arbitre, excusez-moi de vous interrompre, le fils l'a toujours revendiqué. Les leaders du Très fils ont bien. toujours dit, nous voulons une commission et nous acceptons de passer en justice devant une justice libre et indépendante, à condition que les généraux passent avec nous et que le peuple nous juge. Le Nous fils sommes l'a d'accord, toujours Monsieur revendiqué. Jamaldine. Nous sommes d'accord, Monsieur Voilà. Jamaldine. C'est Et je ça ne suis que pas du fils, hein. j'épouse. Voilà. Oui. Non, non, je sais, j'épouse cette idée. Ouais. Et lorsque la clarification, si commission il y aura, la rectification s'imposera. C'est tout ce que je peux dire. La rectification, toute personne doit rectifier ses positions et devoir plus clair. Mais c'est pour cela que je vous dis, tout doit être mis carte sur table pour voir et pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Arbizia, Je vous merci remercie. beaucoup. En espérant vous revoir bientôt sur Al-Maghribia. Si Badreddin, on n'y peut rien. On parle de n'importe quoi, on retombe toujours sur le problème de ce qui s'est passé dans notre pays, malheureusement. Il y a tellement de choses en commun avec l'Égypte qu'on ne peut pas ne pas en parler. Mais sinon, un dernier mot au sujet de nos frères égyptiens. Un dernier mot pour nos frères égyptiens, je dis que toujours ce mot du Morcheb, ce militantisme magnifique, et ce militantisme pacifique qu'ils sont en train de montrer au monde, me subjugue, je vous assure, si jamais. Et c'est incontestablement le peuple égyptien vaincra, et le peuple égyptien vivra dans la démocratie, la liberté et la justice. Quel que soit les sacrifices qu'il donnera. Un petit mot pour l'Algérie, Oui. je le dis, je le redis, en Algérie, ce qui se passe en Égypte, ça se passe en Algérie, et le fils, je le dis tout haut, pour qu'il comprenne votre invité et d'autres, nous sommes pour une commission nationale ou internationale d'Algérie. Nous avons, en 2006, il y avait bien un communiqué du fils qui était contre ce cinéma de canon de la paix, de la réconciliation, de la foutaise. Nous sommes pour une vraie réconciliation, sans revanche, sans vengeance, mais après le devoir de vérité, de mémoire et de justice. On ne doit pas pardonner comme ça et tourner la page comme ça. Et en fin de compte, la parole reviendra au peuple. Cet acte Badreddin Gerva. finira bien par tomber et la parole reviendra au peuple, Inch'Allah. Badreddin Gerva, merci. Merci à l'Arbi Zouaymia. Merci Badreddin Gerva. En espérant vous revoir bientôt. Je rappelle que nous avions annoncé hier avec l'un des organisateurs de la manifestation qui doit se tenir aujourd'hui à Paris en faveur de la démocratie en Égypte. Les organisateurs m'ont demandé de vous annoncer qu'ils ont rectifié l'itinéraire. Ça va aller à partir de Barbès vers la République, je crois. Donc, la marche pour la démocratie en Égypte, pour commémorer ce premier anniversaire du coup d'État contre le président Morsi, cette marche a lieu aujourd'hui à Barbès, à 17 h, à Barbès. Soyez nombreux. Merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, Azulfillahoun, à demain.